Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctatou, comment allez-vous? Écoutez, moi je suis super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3. Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé du Call of Duty Black Ops 3. Et voici, excusez-moi, je suis un peu malade. Donc, c'est une nucléaire, voilà. Normalement, c'était une double nucléaire à la Cuda, mais vu comment j'ai vu... ok d'accord, on voit, voilà, c'est du français, c'est du pur français. Enfin bref, quand j'ai revu le gameplay, j'ai vu que la deuxième nucléaire était hyper express. Je crois qu'elle était en 2 minutes, en plus du corps en G2. Donc je me suis dit, je vais garder le gameplay, tu vois, je vais le mettre avec une petite musique et tout, ça va passer crème. Donc voilà, là je crois que c'était la première partie où j'étais en petite série Gunstrike. Franchement, j'aurais pu tâter la triple à ce moment-là. Malheureusement, il y avait un petit PD qui s'amusait à balancer des mines un peu partout. Et à un moment donné, bah, j'ai plus fait attention. Et puis, je m'en suis pris une sur le mur de la position B en deuxième mi-temps. Enfin bref, je vous ai mis les séries Gunstrike, etc. Et aujourd'hui, je vais vous présenter pour moi la meilleure SMG de Call of Duty Black Ops 3, qui est juste impressionnante avec la Weevil. Mais pour moi, voilà, c'est un coup de cœur. La Cuda, c'est un véritable coup de cœur. Je surkiffe cette arme et pour tout vous dire, voilà, ce que je vais mettre dessus, c'est tout con. Je vais mettre un chargeur rapide, un chargeur de grande cape et une poignée. Franchement, elle a rien besoin de plus. Le tir rapide est totalement inutile et franchement, je vous recommande de prendre cette classe-là. Donc, Cuda, chargeur de grande capacité, chargeur rapide, poignée, surcadençage, pillard, masque tactique, et vous connaissez évidemment le spécialiste faux, hein. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est faux, ou Reaper faux, enfin bref. Tu m'as compris, c'est pour moi la meilleure méthode. Après j'avais mis drone de brouillage, hater, enlevez drone de brouillage, mettez le système IEM. Je trouve que le système IEM déjà est plus long que le drone de brouillage, déjà première des choses, et deuxième des choses, il est un peu plus efficace que le drone de brouillage, étant donné que justement vous pouvez bloquer les spécialistes ennemis et qui va faire énormément la différence. À un moment donné, je vais avoir justement le seum maintenant quand j'étais en série, parce que justement bah, j'avais la faux, j'avais le hater et je me prends un satané drone de brouillage. Et en plus, si j'avais eu le, en l'occurrence, le système IEM, bah, je n'aurais pas été dans cette situation-là, tout simplement. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la best class setup. C'est vraiment, voilà, c'est une dinguerie. C'est une SMG, mais c'est une dinguerie. Vous pouvez enchaîner très rapidement et en plus, elle est très très polyvalente. Donc voilà, c'était la classe que je vous ai recommandée. Très prochainement, on va se retrouver pour un super gameplay express à la Cuda sur Call of Duty Black Ops 3. Ensuite, on va se retrouver très prochainement pour des gameplays IW. Je pense que je vais vous faire 3 best class setup, etc. Enfin bref, il y en a quelques-unes qui passeront sur la Apex. J'essaye d'être un maximum actif, sachant que j'ai les examens à côté. J'essaye de faire de mon mieux, les potes. Donc, désolé si par hasard, il y a une vidéo un jour où il y aura pas... Voilà, un jour où il n'y aura pas de vidéo. Tout simplement parce que voilà, je serai très certainement occupé à travailler sur mes examens. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires et de partages. Comme je vous ai dit, c'est du Call of Duty Black Ops 3, c'est vous qui me l'avez demandé, donc n'hésitez pas à bombarder la barre de likes, cela me fera extrêmement plaisir. Et puis moi en tout cas, je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.